Après la réunion que la province du Katanga a eue avec la province sœur du Luapula de la République zambienne, les deux délégations étant dirigées respectivement par le gouverneur de la province, Moïse Katumbi, et le ministre de la province, M. Boniface Kamwimbe, les deux parties ont convenu en ce qui concerne la protection des ressources halieutiques dans la Luapula et le lac Mwero. Premièrement, que les deux parties conviennent de continuer à lancer conjointement les campagnes de fermeture et d'ouverture de la pêche. Deuxièmement, tout pêcheur qui sera surpris en train d'enfreindre la loi de fermeture de la pêche devra être détenu par les autorités compétentes des pays respectifs, c'est-à-dire le Congo et la Zambie, et ne sera livré à son pays d'origine qu'à la fin de la période de fermeture de la pêche. Troisièmement, il sera procédé tant du côté zambien que du côté congolais à la destruction des camps de pêche durant la période de fermeture, et ce spécialement dans les zones de frayeur. Quatrièmement, les deux parties ont autorisé leur poste de surveillance d'effectuer des patrouilles sur les deux rives du complexe Luapula Mwero. Ensuite, les deux parties vont mettre sur pied un programme en vue de mener des actions conjointes pour empêcher les méthodes de pêche illégale. En plus, les deux parties vont organiser fréquemment des réunions d'évaluation à tous les niveaux et vont partager les expériences en matière de protection des ressources halieutiques. Enfin, les deux parties ont convenu d'encourager chacune, pour ce qui les concerne, les pêcheurs à l'aquaculture, l'élevage et l'agriculture en général comme alternative de survie. Ainsi en ont décidé les deux provinces sœurs, la province du Katanga et la province de Luapula, dans l'intérêt de la protection des ressources halieutiques dans la rivière Luapula et dans le lac Mwero.